Citez deux raisons pour lesquelles réduire la vitesse de conduite en cas de forte pluie. La réduction de la vitesse va permettre aux conducteurs en question d'éviter des accidents de circulation. Bon, c'est pour éviter les accidents, tout ça. Voilà, parce que le chauffeur aussi doit prendre compte en fait la vie des gens. Et s'il roule trop vite et tout, il y aura toujours des accidents. Et puis lui-même, il peut se mettre en danger. Éviter les accidents et la vitesse, pardon. Voilà, concernant d'autres véhicules qui roulent sur la route. Citez deux raisons pour lesquelles réduire la vitesse de conduite en cas de forte pluie. Quand la pluie commence à tomber, les conditions de conduite peuvent changer. Conduire sous la pluie est bien plus difficile que conduire sans averse. La pluie favorise des risques pour la conduite comme la perte d'adhérence, le manque de visibilité, le rallongement des distances de freinage. Ces risques augmentent les accidents sur la route. Soyons prudents et respectons les consignes de sécurité. La vie est précieuse, préservons-la. Stop à l'incivisme.